Bonjour mesdames, messieurs, je vais vous raconter dans les chenilles. Pourquoi? Parce que quand vous prenez des animaux, faut vraiment être sûr qu'on prend des animaux pas pour rien. Je trouve c'est un peu trop malheureux qu'il y a trop d'animaux abandonnés. Chats, chiens, lapins, rats, tout ce que vous voulez prendre. D'un côté c'est bien. Puis d'un côté, c'est un peu malheureux que les pauvres animaux soient abandonnés. Je vous supplie, mesdames, messieurs, essayez de réfléchir un tout petit peu avant de prendre un animal. Parce que c'est malheureux de prendre un animal s'il faut l'abandonner dans 2 ou 3 mois. Bonjour, mesdames et messieurs, réfléchissez. Quand vous ramenez un animal à la fourrière ou aux chenilles. Parce qu'un animal, c'est pas un jouet. Un animal, c'est comme un enfant. Et un enfant, on l'aime. Alors un animal, je vous préviens, c'est pareil. C'est pitié d'en ramener un animal là-bas. Parce que on n'a pas les moyens. On sait qu'on n'a pas les moyens. Parce que on est pauvre. On est au courant qu'on est pauvre. Mais ça, on est pour rien. La vie, elle est comme ça, on ne peut rien faire. Comme on dit, on fait avec. C'est vrai que les gens, ils ont une petite retraite, on le sait. Mais on peut rien faire. Alors, je vous prie, monsieur, mesdames, réfléchissez bien avant de prendre un animal. Ce n'est pas un jouet, comme ce que je vous dis. Si c'est pour partir en fourrière ou au SPA, ça sert à rien. Bon, à bientôt, au revoir.